Alors je continue mon périple dans le Morbihan avec aujourd'hui les alignements du Ménec à Carnac, les menhirs. Alors ces menhirs, ils sont là depuis 4000 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a plus de 4000 pierres sur le site et le site fait plus de 4 km étalé entre la commune de Carnac et de la Trinité-sur-Mer. Certains menhirs qu'on voit là peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de haut. Alors ceux-là, ce n'est pas les plus gros, quoiqu'au fond là-bas, il y en a des beaux. Moi, à mon avis, cette histoire-là, les historiens ne se mettent pas d'accord, mais moi, à mon avis, c'est la faute au gros. Le gros là, le copain astérisque, le gros Obélix, c'est à lui tout ça là. C'est lui qui les a plantés là. Bon, je sais pas si on peut rentrer sur le site. Je vais aller voir, je vais faire le tour. Et non, c'est pas possible de pénétrer sur le site. Il y a des clôtures qui entourent tous les champs. Et c'est payant, j'étais m'enseigné, c'est par groupe avec un guide. Et il y a des portillons un petit peu partout, mais ils sont tous fermés à clé. Donc on va rester à l'extérieur et puis on va les biaiser. Vous allez comprendre un petit peu plus loin comment. Alors 4000 ans avant Jésus-Christ plus 2023, ça fait 6023 ans. Le machin, il est là depuis 6023 ans. Alors contrairement à une idée reçue, en Bretagne, il ne fait pas toujours beau. Depuis ce matin, ça drache. Et là, il prévoit de la pluie sur 3 jours. Je suis vert de rage. J'avais décidé d'aller faire toutes les îles. Ça va être un peu compromis, vu ce qui tombe. Et en plein milieu du site, on a des petites maisons. Ça n'a pas l'air habité quand même. C'est génial!
Putain, il m'est arrivé un truc de ouf. J'avais une petite envie pressante. Je vois une forêt, je me dis, hop, je vais aller me soulager. Je vais pour descendre la braguette. Et là, je vois un petit bonhomme qui arrive. Une grande barbe blanche, un bonnet pointu, un grand bâton. Et il me dit, si tu fais pipi ici, je te transforme en arbre. Comme les autres, mécréants, qui sont venus faire pipi ici. Et il a rajouté, on ne fait pas pipi dans la forêt de Brocéliande. Eh bien, dis donc, il y en a un paquet qui ont dû pisser ici, hein. Moi, je te le dis. À mon avis, c'était un quart de touristes qui s'était arrêté. Hop, il les a transformés tous d'un coup. Ah, un renard. Ou un loup. Alors, changement de destination. Quand j'étais à Carnac, je regardais sur la carte qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant autour. Et là, j'ai trouvé une ville de environ 15 000 habitants, grosso modo, qui s'appelle Auray. Et son port, son petit port qui s'appelle Saint-Goustan. Et donc, je me suis dit, ça avait l'air joli. Donc, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Donc, on va découvrir ensemble cette petite ville d'Auray. C'est un jet de menhir de Carnac. Oula, je pense que c'est prometteur. Au XVIIe siècle, Saint-Goustan, c'était un port de pêche et de commerce sur la rivière Lauray, qu'on voit ici, là. Et en haut, il y a la ville de Auray. Et en fait, ça a été rattaché, c'est devenu un quartier de Auray. Et Saint-Goustan, c'est le patron des marins et des pêcheurs. Maintenant, c'est devenu un port de plaisance qui peut accueillir à peu près 1300 bateaux. Allez, on va traverser, on va passer sur le pont, on va aller de l'autre côté. Le ciel est gris, mais il nous avait promis de la pluie. Ça va, j'ai pris une saucée ce matin sur Carnac. Depuis, plus rien. Prions le bon Dieu des intempéries.
Ah, le Piaggio, il date pas du 12e, ni du 17e. Mon Dieu, mais qui c'est qui habitait là? Ah, je passe pas, hein, sans me cogner. C'est bizarre, hein, que la porte soit si basse. Bon, ça va être plus facile à descendre qu'à monter. Faut faire gaffe où on met les pieds. Il y a des marches, il y a des pavés. Be careful, be careful. Benjamin Franklin. C'est immense, ça. Là, on est quai Benjamin Franklin, d'où le portrait géant qu'on a découvert sur la façade de la maison. Alors, pourquoi Benjamin Franklin? Ben, ce célèbre diplomate et physicien était venu en France pour demander aux Français de les soutenir dans leur guerre d'indépendance. Normalement, il devait débarquer à Nantes, mais des vents contraires ont empêché son navire de remonter jusque là-bas. Du coup, ben, le 4 décembre 1776, il a débarqué dans le petit port de Saint-Goustan. C'est la rue du petit port. Tout ce qui est descendu doit être remonté à un moment ou à un autre. Et là, je remonte laborieusement du port de Saint-Goustan qui se trouve en bas jusqu'à la ville de Auray. On retrouve des maisons à colombage à Auray aussi. La mairie, le ciel gris. Et une envie de faire un petit pipi. Non, c'est pour la rime. Thank you.
présente Nounours, mon nouveau pote. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Comme les voyages, ça se termine toujours par une bonne petite mousse à boire avec modération. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles escapades en France ou à l'étranger. Chine. Bonjour.